Allez, bascule in-game. Attendez, j'ai le retour du son. Voilà, parfait. Et bonsoir. Va circuler avec ce beau train. On va voir la compo comme elle est faite un peu. Hop, encore retour Windows. Voilà la petite compo.
Voilà. Allez, on va mettre ça en place. Avec ça, ça marche pas, on est d'accord. Les blancs devant, les rouges derrière. Elle est étroite, hein. C'est une petite cabine, hein. Regarde, elle est étroite. J'ai l'impression qu'ils ont coupé la petite partie à gauche, là. Ils ont laissé la droite inoccupée. Je pense que ça devrait être ça. Ouais, elle est étroite. On est bien avec ça. On est bien comme ça. Attends, on va mettre ça comme ça. Je vais juste checker au niveau du matos. Ouais, ça va, hein, tranquille. Et vous, ça va? Un petit TGV qui s'en va là. Ouais, bah écoute, nickel, si tu vas bien, nickel. Donc là, on est en direction de. On est en direction de. Culmont-Chalindrey. On sera toute gare jusqu'à Culmont, clairement, quoi. Ouais, il y a du trafic, il y a beaucoup de trafic, regarde. Si je mets mon F9, mon Alt-9, tu vois, t'as tout ça comme trafic. Tout ça. T'as du RER, t'as du Transilien, t'as du TER également. Normalement, on va bien s'amuser. Ouais, on va bien s'amuser normalement. C'est belle, hein, cette loc, hein. C'est une belle loc, hein. Ah, j'aime beaucoup, hein. Beaucoup. Cette locomotive respecte votre environnement. Plus on est nombreux, plus on rit. Ouais, c'est ça. Allez, on ferme les portes. On va desserrer les freins. On va se casser. Je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Je sais ce que j'ai fait comme connerie, forcément. Ah, ça devrait être bon. Voilà. Mon prochain arrêt, c'est Nogent-sur-Seine à 109 km. Donc ça, je vais le retirer. C'est plus la peine de mettre ça. On arrive dans 1 heure à Nogent. Ouais, Train Raider, il me dit normalement ce trajet-là, il va jusqu'à Mulhouse. Si j'y vais jusqu'à Mulhouse, on est parti pour 6 heures de ride. Hein. Ah oui. Si je monte jusqu'à Mulhouse, on est parti pour 6 heures de live. Facile. Je crois que c'est 5 heures de mémoire jusqu'à Mulhouse. Je trouve que c'est bien, ça réagit bien l'écran de au niveau d'attraction. Hein. On entend bien l'écran. Non, non. Je disais que si on partait jusqu'à Mulhouse, c'est initialement le trajet du TER. Paris-Est Mulhouse, je crois que ça fait quasiment 5 heures de 5 heures de trajet. Et vu que c'est quasiment sur de l'IRL le jeu là, c'est pour 6 heures, 5 heures, 6 heures de live quoi. Là déjà, de Culmont jusqu'à. De Paris-Est jusqu'à Culmont, il y en a pour un peu plus de 3 heures. Un peu plus de 2 heures. 2h50 je crois, déjà. Je dis bien, hein. Elle a un beau bruit, hein. Franchement, elle a un beau bruit. Est-ce que le son du jeu est trop bas, trop fort? Est-ce que mon son à moi est trop bas, trop fort? Faut me dire, faut pas hésiter à me dire si jamais il y a des soucis. C'est maintenant ou jamais.
monter à 120 là. On va passer à 120, pardon. Et je vais juste mettre un truc sur YouTube, désolé pour le retour Windows. Voilà, je vais avoir le retour Windows parce que j'ai l'impression que j'ai l'image saccadée, mais au final non. C'est pas saccadé. Oh, l'écran, ça marche bien. Hein. Allez, 120. On va mouliner un petit peu là. Ça va être à 60. C'est joli, hein. Franchement, c'est joli. Hein. Alors cette bébé, je l'ai trouvée sur le net. Il me semble que c'est YoYo qui l'a fait. Il me semble que c'est YoYo. Donc elle est dispo sur le net, celle-là. Salut, Bueno Gaming. On croise Emi Dozen. Ça va et toi? Elle réagit bien, franchement elle réagit bien. Je suis pas très fan des locks en général, mais celle-ci là elle est pas mal. Je peux monter un petit peu la traction. Corail Rémi, mais les Corail Rémi, c'est pas ça, c'est pas ceux qui montent vers Rambouillet et tout ça. Corail Rémi, ceux qui montent sur Rambouillet, ça. Rambouillet, Chartres et compagnie, non? Ça va où les amis déjà? Monter un peu la traction. Rémi passe par la LGV par Lyon. D'accord, ok. Mais partout, c'est quoi, c'est quoi leur destination? Elle est belle, franchement elle est belle, hein. C'est une belle loc. Hein. Ah, tu m'as pas dit The Guy. Où est-ce qu'ils vont les Corail Rémi du coup là? Ceux qui passent par la LGV, me dit Paris Lyon. Où est-ce qu'ils partent? J'étais persuadé moi que les Corail Rémi ils montaient au niveau de Chartres, Le Mans et compagnie. Quoi. Bah, où c'est qu'ils vont vers La Roche-Migène? Ok d'accord. Peut-être 50 000 venant de Shell, j'imagine, ou de Mans. Bon, nous on est bien sur la ligne 4 là. Paris-Est. C'est au fond leur terminus Paris-Est. Ok, d'accord. Ok, d'accord.
Vous allez voir Paris Est, 16h50. Oui, elle va Paris Est. 50 000, elle part soit sur Paris Est ou soit sur Magenta. En général, ça vient de nous, ça. C'était Minozen. On est sur Bondy, là, j'imagine, non? Ville sec. Là, j'ai la vue sur cul. Un peu de vitesse là et on a pris l'aiguille. Un petit peu monter en vitesse là. Ah, c'est bon, on est gâté, hein. Il y a beaucoup de trafic là sur cette parcelle. Je vais vers E, on regarde de Rosny-sous-Bois-Perrier. Rosny-Bois-Perrier, pardon, Rosny-sous-Bois-Perrier. Pas dire grand-chose. Merci pour les likes, les gars, c'est cool. Alors, sur ce modèle de train, il n'y a pas de VA. J'ai pas entendu de VA depuis tout à l'heure. J'espère que je ne vais pas me prendre un FU. Oh non! Il y a un sectionnement à 500 mètres. Suis-je bête? Pas besoin de sectionnement. Je n'ai pas de panto. Je ne suis pas électrique. M'en fous. M'en fous du panto. Pas de baisser panto pour le coup.
J'ai eu la VR, j'ai entendu le petit bruit de la VR. Oh, c'est beau. C'est beau ce petit croisement de Mulhazen. Magnifique. Petit croisement de Mulhazen était magnifique. Oui. Et boule rouge. Champigny, messieurs dames, champigny sur le bras. C'est pas traction là. C'est un peu bizarre les textures ici, j'ai pas compris pourquoi le créateur il a fait comme ça. Un peu chelou, mais bon. Ce n'est qu'un détail parmi toute la ligne, hein, clairement. Voilà, on va passer à 140 km/h, c'est cool. Villiers sur Marne. Et on va prendre un peu de vitesse. Quitte. Et allez, on accélère un petit peu. Elle réagit bien hein, la loc, hein. Des bons sons. Un beau bruit. Le bruit est sympathique. Traction, on devrait le faire. Le pictogramme s'est allumé, je ne touche pas plus. Quitte la VA. Les Corail qui passent LGV, ce sont les Paris Nevers. Ok, d'accord. On est où? Emeraville? La mer de sable. Ils passent par les LGV, ce sont les Paris Nevers, ils ne passent pas par la Roche Migène. Ok, d'accord. Et suite aux commentaires de The Guy, c'est ça? D'accord.
Tu vois, moi je ne savais même pas, pour moi les Rémi, la livrée Rémi pour moi passait du côté de Chartres, Le Mans et compagnie, tu vois. Je ne connais pas, c'est trop récent pour moi ça. J'ai lâché l'affaire bien avant. Hein. C'est du 140 ça, je crois, non, de mémoire. C'est pas écrit, mais je crois que c'est du 140 ça. Ouais, c'est 140. Vérifier maintenant, je vais regarder. Non, 60, 160. 160, 160. Yes. T'as raison, 160. J'avais un doute, mais non, 160. Je crois que t'as des pensions 160 dès que tu passes, dès que tu arrives vers Provins, là. Dès que tu arrives vers Longueville, je crois que c'est 160. Même avant. Même peut-être vers Verneuil-l'Étang, je crois que c'est 160. Tu vois, là, j'ai un rouge. Je pense que c'est au niveau de Grèzes, à Mainvilliers, là. Heureusement, je passe pas à côté de ton tournant-embry. Hein. Côté aller à la Jecta? Non, non, non. Non, 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 du tout. Franchement, je serais passé par Tournambri, ça m'aurait fait chier quand même. Parce que le ralentissement 30 à tournant là, ça fait vraiment chier. Bah, faudrait que je me libère en fait, et c'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu short au niveau de la vie de tous les jours là. Faudrait que je me libère, mais pourquoi pas, franchement, ça pourrait être bien en plus. Même faire un live là-bas, ça pourrait être sympa. Où est-ce qu'on est là? On se voit la frayeur. D'accord. Il y aura de belles machines. Ah, tu m'étonnes. Je sais pas ce qui se passe avec le signal devant. On va baisser un peu la traction. Je vais quand même freiner un petit peu quand même. Ok, bien sûr, et tu pourras voir certains de tes abos si tu me dis. Ah, bah, c'est sûr, ça. Je me doute bien, ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai un rouge. Non, sérieusement? Il met un rouge comme ça? Ah, ok, d'accord. Des fois, l'algorithme du truc. Non. Tu pensais que j'allais me prendre un signal fermé, là, d'un coup? Un peu l'écran. Ah, des fois les signaux sur OpenRail c'est quelque chose. Hein. Tu passes d'un jaune au rouge fixe, c'est n'importe quoi. Je ferme le signal comme si que il te met un signal fermé en plus à 700 mètres quoi. Le gros coup de frayeur quoi. 150 là-bas, je crois. Ouais, c'est sûr, hein, pour revenir à ce que tu me dis, hein. C'est sûr que je trouverai beaucoup d'abos là-bas. Hein. Beaucoup de spotters, beaucoup d'abos qu'on connaît, quoi. Alors, ça, c'est grâce à Mainvilliers, normalement. Ça, c'est grâce à ça. Ouais, t'as vu ça, la signa OpenRail, c'est quelque chose. Hein. Petit erreur E. On va faire comme ça.
Dommage que j'ai pas les bruits, j'ai pas mis les sons des corails. Et je pense à les rajouter. Surtout, t'es vraiment une machine à vidéo. De ouf. Ah ouais, j'aime bien ça. Après, je partage, hein, tu vois. J'aime bien rouler, donc autant que je partage. On arrive à Nogent-sur-Seine dans 68 km. C'est un petit peu moi quand même. Une bonne config, bah bonne, ouais, elle est plutôt bonne, ouais. Elle est un peu vieillotte, mais elle est plutôt bonne, ouais. Ça permet de faire tourner OpenRail, en live et compagnie, tu vois. Jeune, t'as ta fait en technicentre. Ouais, j'étais au matériel roulant. Je m'occupais du matériel. J'étais agent de maintenance, je m'occupe un peu du matériel transilien. À l'époque, c'était beaucoup les Z 2500 et les Z 2800 et les Z 5600. Quel dépôt? Les dépôts, bah, après ça tourne en fait, tu vois. C'était soit sur Trappe, ou alors il y en avait un dans le 93 vers Saint-Denis. Hein. Je ne sais plus la ville exacte, mais je crois que c'est vers Saint-Denis, je crois que c'est Saint-Denis ou ouais, c'est Saint-Denis, je crois. Ça touche Saint-Denis, je sais plus c'est quel dépôt. C'est souvent là-bas. C'est un peu l'écran là. Ouais, c'est le lundi, c'est ça, voilà. À la fin, ils voulaient me mettre de l'autre côté, là, du côté de Châtillon, là. Ils sont TGV, là, mais j'ai pas. Trop complexe, trop complexe. J'ai fait peut-être 3-4 ans sur du Transilien en tant qu'agent de maintenance et. Il voulait me mettre en polyvalence sur les TGV et tout. J'ai dit non, non, je m'en sortais pas. Moi, clairement, j'arrivais pas. Non, pas de vidéo RERA. Il n'y a pas le RERA sur OpenRail. Enfin, du moins, il n'est pas public.
Non, le A, il n'y a pas, c'est dommage qu'il n'y ait pas le A, mais. Ça, hein, parce que. C'est quoi, c'est Mormont ou c'est Verneuil? Avec les silos là. C'est Verneuil des temps, ça, c'est ça? Verneuil des temps. Il est un peu court le quai, quand même, je trouve. Il est un peu plus long, Yann. Ça va passer à 160 apparemment. Ligne multiple. Elle réagit bien, franchement, c'est une belle lock. Hein. C'est sympa les bruits. C'est sympa les bruits, ils sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Dépôt des créateurs, ils font le RERA. Ouais, ils font le RERA. J'espère que ça va partir un jour. J'ai vu la ligne du A qu'ils ont fait, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment réaliste. Hein. Marne la Vallée, à part Disneyland et tout, c'est vraiment réaliste. Hein. Pas du tout. On est limité à 160. On va monter à 160 un peu. C'est Mormont, pas de bêtises. Mormont, c'est ça. De Mormont. Ouais, j'espère un jour tu vas devenir bêta testeur. Ouais, je sais pas, hein. Pourquoi pas, hein. Ça me ferait plaisir. Hein. Ça me ferait plaisir, clairement, ça me ferait plaisir. On va se mettre à 160 là. On va essayer de stabiliser la vitesse. À 157, 158. Ah là, ça serait sympa, franchement, ça serait sympa. Je demande que ça. 59 km/h. Ouais, ça. Oui. On va avoir les MI2L et tout en première. Non, c'est pas gagné encore, hein, calme-toi. Mais bon, faut connaître les créateurs. Oui, ben ça, problème. Ben, les créateurs, ils aiment pas trop filer, tu vois, avec les leaks et tout, compagnie. Hein. Ils aiment pas trop filer le matériel. Bah oui, c'est bon. Usine de Grand Puits. Et où est la raffinerie? Pas de raffinerie? Ah si, elle est là-bas. Bah, je l'ai passé. Elle est derrière. Les Grands Puits là-bas. Je cherchais la raffinerie où est-ce qu'elle était. Bah, je l'ai passé en fait. Donc, nos gens sur scène, on arrive dans 46 km.
ralentissement 60, ralentissement 140 dans environ 7 km là. 7 km. Ah, t'as vu, ça va vite, hein? Bah, en même temps, 160, t'as pas le temps de voir le paysage, hein. J'avais oublié que la station de Grand Puy, elle était après, en fait. Non, de rien. Moque-toi de moi, moque-toi de moi. Je vais baisser la traction, vu qu'on arrive à un ralentissement 140. Voilà, on va baisser la vitesse. Traction, pardon. Normalement, ça va descendre gentiment seul. J'aurai besoin de freiner un petit peu. Ouais, je pense. 146. Quoi ici? C'est Provins, ça? Angis. Ah, Angis. Voilà. De bêtises, moi. C'est Provins. Angis, pardon. Accident de Nangis. Ouais. C'est violent d'ailleurs, ça. C'est un sacré accident. Un peu de vitesse là. Ça fait du 140. C'est 17 000 qui font sur un camion bloquant le PN. Ouais, bah oui. Hein. Ah, c'est là que tu vois quand même qu'il y a beaucoup de défaillances, hein, sur les passages à niveau en France, il y a beaucoup, beaucoup de défaillances. Beaucoup de problèmes. Ouais, c'est pour ça qu'ils progressivement ils sont en train de les retirer, tu vois. Il y a beaucoup de lignes qui suppriment les passages à niveau.
On va baisser un peu la vitesse là. On arrive vite. J'ai du mal un peu à régler la traction de cette lock. On a l'impression qu'elle est lourde, mais mine de rien, elle monte vite en vitesse. Là, je suis encore à 12. Je pense que je suis pas en dénivelé là. Éviter pas mal. Oh, nos gens, on est pas très loin, je pense. 30 km, ouais, c'est dans 20 minutes. 20 minutes, ouais. Une vingtaine de minutes, je pense. Un petit peu moins. Là j'ai un ralente, on tire un peu plus loin au KLM, ouais, au calme. On profite des champs de coquelicots, le tournesol, pardon. J'ai pas croisé de train encore là sur la portion ici. Ça serait tardé, enfin, j'espère. Pour le moment, il est là, hein, il me semble. Pour le moment, il ne doit rien avoir. Action à zéro. Chant de coquelicot, ouais, t'as vu? ça va, je me suis vite repris. Ouais, c'est plutôt calme là pour l'instant, c'est vrai. Hein. Je sais pas si la cabine est bien, ça sera là. Je vais essayer comme ça. Voir si ça s'allume. Ouais. Oh, c'est joli. Sympa. Ouais, c'est calme. Mais pourtant, c'est censé avoir du trafic, hein, normalement, ici, de base. Tu vois, ça, c'est les ICE. Du Paris 3, si normalement t'as du trafic, hein, regarde. Check it. Paris 3, Paris 3. Alors on a vu les TGV, compagnie, TER L2LM. Ouais, normalement il était du TER normalement. Mais là j'ai pas croisé. Pourquoi? Longueville. Il y a de belles locks sur Longueville. J'aime bien passer à Longueville, c'est beaucoup de belles locks, les anciennes locks garées ici. Merde. Là, il y a les monuments de la SNCF, là. Ils sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles, franchement. Elles sont pas trop belles, ces locks là. Regarde-moi ça. Ancien logo de la SNEF. C'est beau, hein. Belle celle-là, hein. Les bijoux. Allez. T'as vu? C'est beau, hein. Picasso 141R. Ah ouais, elle est bien celle-là. Ah,
Ah, c'était une autre époque, hein. La vapeur, c'était quelque chose, hein. On était des pionniers, hein, de la vapeur, en France. J'aurais le temps de passer à 160 là, je crois pas. Ralentir un petit peu la vitesse. Merci pour les likes, les amis. Merci. J'ai pas eu la vitesse. J'ai lu le chat, mais j'ai la vitesse. 18 km, nageant. Mais bon, je vais aller à Longueville pour que pour filmer. Ah, j'ai pas pris les places. Bah oui, je me doute bien, oui. Après, il y a de la place, je pense pas que ce soit un guichet fermé, hein. Il y aura de la place, je pense. Chambouin. Je pense qu'il y aura de la place. Hein. 10 balles. Alors franchement, ça vaut le coup pour 10 balles quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Monter un peu la vitesse là. J'en perds beaucoup trop. Bon. Ça plaisir, on va monter à 100 à 100. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trafic sur la fin d'activité là. Sur cette portion de ligne, j'aurais cru qu'il y aurait assez de. Il y aurait assez de trains, mais je sais pas, ça n'a pas dû prendre les trains ou alors ça se déclenche tardivement pour qu'il doit partir de Mulhouse ou de Clunon tardivement. Et que 5 euros. Économise, hein. Et c'est de gratter à droite à gauche, hein. Bah ouais, je t'ai dit. Tu pourras m'aider à installer OpenRail plus tard. Ouais, si tu veux, pas de problème. Souci. T'es sur mon Discord, t'as son truc. C'est mon Discord. T'as du mal à installer? Ouais, c'est où, t'as du mal? Ok. Ah, tu me dis. Hein. Bon, quand j'aurai un petit moment, bah, je t'aiderai à le faire.
Tu galères sur quoi? C'est quoi tu galères? Quand j'avais installé, je pouvais installer que la map ligne 1, les autres marchaient pas. Non mais ça, sans doute, t'as pas dû installer toutes les lignes obligatoires, les 6 lignes du jeu là. C'est souvent un gros problème ça. S'il manque un fichier, bah tout déconne et ça fonctionne pas. Mettre ça. Voir. Non, ralentissement 120. Parce qu'on approche de nos gens. Ça me disait OpenRAI sans MSTS ou je sais pas quoi. Ah mais je connais pas moi ça par contre. Moi j'ai le jeu MSTS. Franchement. OpenRAI sur MSTS, je connais pas du tout. Si c'est ton cas à toi, je pourrais pas t'aider. On monte la traction à zéro, on arrive sur Nogent. On peut apercevoir l'usine nucléaire de Nogent. Il n'est pas très loin. Je crois qu'ils ont modélisé les réacteurs. Un petit peu quand même. Oh, tu le télécharges, c'est gratuit. Il est bien plus en vente maintenant le jeu. À la base, c'est sur CD. Tu le télécharges. Ah, tu le fais avec un émulateur, c'est vite fait. T'as plein de tutos sur YouTube qui te dit comment faire ça. Je te montrerai, c'est pas compliqué. J'ai beaucoup d'avance. J'ai pas roulé comme un pas. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup d'avance. Quasiment 10 minutes d'avance, c'est n'importe quoi. Que je règle ça. Hein. J'ai pas roulé vite, hein, pourtant. Ça roulait vite. Hein. Allo Jean. Partirai pas dans 7 minutes, moi, tu peux être sûr que non. Hein. Je fais un arrêt de 2 minutes et je me casse. J'ai 6 voitures, si je dis pas de bêtises. Normalement, je suis en 6 voitures. On va les compter ensemble. Hein. Une, deux, trois. Je fais des bêtises. Une, deux, trois. 4, 5, 6, ouais, j'ai 6 voitures. 6 voitures plus la loc. Voitures plus la loc. Bien ça.
Alors, on va faire le départ là. Hop, on ferme les portes. Quand même, c'est pas comme les corails d'Australis avec 14 en 1, tu vois. Ah non, c'est spécifique ça. C'est spécifique à cette ligne là. Je crois qu'à l'époque, les quais étaient petites, celle-là, de celle-ci. Une 12 voitures, tu vois, même le quai, hein, tu vois, c'est 8-10 voitures. Hein. C'est un peu comme les quais de RER. Les 12 voitures, 14 voitures, ça rentre pas en fait. Les quais sont beaucoup trop petits. C'est pour ça que c'était les 6 voitures. Prochain arrêt, Romilly-sur-Seine, dans 20 km. Oh, ça va, c'est pas très loin ça. Abusé pour un réacteur nucléaire, alors on dirait qu'il y a un Hiroshima. Regarde s'il te plaît le réacteur. Ils n'ont pas forcé un peu sur le réacteur. Si tu vois d'ici. C'est après les arbres. On verra après. La dernière fois j'avais vu une dizaine de voitures, un corail, Paris-Bercy, Clermont. Ah ouais, bah oui. Et la centrale nucléaire. Il y avait de l'idée, c'était joli. Et les nuages, ils ont un peu abusé là, c'est des fumées quand même. Les fumées, ils ont un peu abusé dessus. Il y avait de l'idée, c'était bien. Il y a tout le quai. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est grand. Faut pas te rater, hein, si le quai est court en plus, hein. Faut pas te rater, hein. C'est un petit peu. Une limite à 160 là. Bonsoir tout le monde, salut Fred, Frédéric Garcia, bienvenue à toi. Grave stylé les corails. Ouais, je sais quoi cette fumée? C'est le réacteur? Ah bah tiens, on croise. Ça? C'est la centrale de Nogent-sur-Seine? Il y a une centrale nucléaire là-bas, à Nogent. C'est la centrale. Pour ça. Il a dit, ouais, je sais quoi cette fumée, je suis mort. Bah écoute, mon train c'est pas mieux, hein, avec ma fumée que je dégage moi aussi. Pas mieux, hein. Bienvenue hein, Frédéric, hein. Je crois que c'est la première fois que je te vois sur la chaîne. Bienvenue à toi. La CC-17000, c'est une bête de guerre aussi. Ah bah de fou, hein. Bah, ça tu m'étonnes. C'est des logs aujourd'hui, ils ont encore leur place. Hein. C'est des logs qui ont encore leur place dans le milieu ferroviaire. Hein. Tu viens à ces heures-là. J'ai pas compris ton message. Marnay-sur-Seine. Okay. Mais c'est pas ici, d'accord. Que tu veux dire par tu viens à ces heures-là? J'ai pas compris, Frédéric. Ah, elle est belle, hein. Franchement, c'est une belle locomotive.
belle locomotive. Ah ouais, 23h, ouais, bah ouais, c'est comme ça. Hein. J'ai pas regardé l'heure, j'ai voulu partir. C'est 1700, il y en a une, elle traîne au dépôt de 8-9 triage pour préparer les logs, etc. Ouais, d'accord. Attends, t'as un vrai spotter, toi, en fait. Tu dois spotter partout, en fait. Tu sais même quel matériel traîne dans quel dépôt, quoi. Un vrai spotter, toi. Pas vu la vitesse. 30. Ouais, ça, on s'en sert encore. Pour tracter du matos, on s'en sert encore. Sur les lignes commerciales, non, mais le reste, si, si. Oui, c'est ma zone. D'accord. Bah, si c'est ta zone, t'as un bon spot là-bas. Villeneuve-Saint-Georges, là, sur la nationale 6, là. Où il y a le pont. Il y a un très très beau spot là-bas. Au niveau du radar, là, où il y a le radar feu, là, loin du commissariat de police. Il y en avait une commerciale sur du 9h Paris. D'accord. Je ne savais pas. Il faudrait que tu me montres. Ah mais tu rigoles ou quoi? T'es venu à Saint-Georges, je connais pas ce spot-là. Et il est connu le pont. Le pont qui relie les deux rives là, entre Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-Triage, je sais pas quoi là. Pas le rater, hein. Quand tu arrives sur la N4, t'as un grand pont qui passe par la voie ferrée. Là. Un petit peu avant la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Tu la connais quand même. Ils ont conservé une CC 1700 sur une rotonde. Et ben voilà, on arrive sur Romilly. Dans environ 4 km, 4-5 km. Il vient, c'est bon là. Oui, attends. C'est ton secteur. Genre, tu connais pas les points de spot, là. La blague. Ouais, mettre à zéro, attraction. C'est sympa les bruits d'écran quand on les passe. C'est vraiment cool. Un beau bruit, hein. Un bon son. Allez. Pardon pour le retour Windows. J'ai mon OBS qui a crashé. Excusez-moi pour le petit bug, ça. Il y a un petit bug. Voilà, Romilly sur scène.
pourquoi il y a un petit bug. Crash de go peut-être. D'accord, donc on soit à Sotteville-les-Rouvres. C'est pas chez moi ça. C'est un grand mot, pas très loin. Attends, mais je suis plus en live. Je suis plus en live. Je suis en live. Si je suis en live. Vous voyez plus la notif de live. Ouais. Même un militaire. Je vais s'arrêter ici. C'est vrai qu'il est long. Ça sert strictement à rien de forcer. Oui, t'es en live. Ouais, mais j'ai eu un crash de coup, donc je sais pas. J'ai vu qu'OBS avait une grosse perte. C'est abusé par contre. Les horaires qu'il me fait faire, c'est n'importe quoi. Il faudrait que je les retravaille les horaires. Je veux pas attendre 8 minutes d'arrêt pour que les passagers montent. TER, hein, je suis pas non plus en interconnexion TGV là, clairement. Partir, va desserrer les freins, hop, on va toujours des portes, on y va. Les prochains arrêts, 3 à 34 km. Automatique, elle a fait un son vraiment bizarre. On va tartiner un petit peu. T'as déjà fait une vidéo ligne R? La ligne R, j'en avais fait une à l'époque. Ouais. J'avais fait Paris-Montreux à l'époque, mais faudrait que j'en fasse. J'avais des soucis à l'époque avec la ligne Dijon, là. Paris-Lyon-Maître. Faudrait que je la fasse.
Bah écoute, vas-y, j'en prends note. J'en prends note. Si c'est un pari Montreux, j'en prends note. Ouais, c'est de caler ça. Bueno, c'est toi qui manges des Kinder? Oh là, à la blague pourrie, sérieux. Interdit une blague comme ça en 2023. Ça monte ici, là. Il a du mal à monter, mon train. Ah, ça monte un petit peu, effectivement. Ça monte un petit peu. La première fois, on me l'a fait. Y a un début à tout. Semaine t'es ensuite tes vacances à Buenos Aires. Oh là là, là, ça y est, il est lancé. Ça y est, il est lancé dans ses blagues. C'est beau aussi. Beaucoup de contraste avec le Tour de France qui se prépare. À part le Tour de France, les mecs. La blague du turfu. Genre. Oh, de rire. Turfu. Ouais, ça, il a sens de l'humour, regarde après, là. Il y a sens de l'humour, on peut pas lui retirer ça. Je vais baisser un peu ma traction, moi. J'ai un ralent de 150. Châtre. Il y a encore un ralenti? Plus. Mettre un ralenti pour que 50 mètres plus loin, ils te mettent une reprise de vitesse. C'est même bizarre ça. Où ça? Mairie Mesgrigny. Je connais pas. Vaillant Saint-Georges.
On a qui? Xavier. Tout le monde s'est endormi sur le live ou quoi? Tout le monde dort là sur le live? Et c'est la fin de nuit? On est sur 3 en plus là. 11 km, on est sur 3. Et où là? Pines, je connais pas. Quel est le prochain arrêt? Le prochain arrêt, c'est 3. Dans 10 km. Tu joues un peu sur, à OpenRail, Train Raider ou bah attends. Saint-Lys, ok, je connais. Petite ville, hein, petit village. Est-ce que tu joues un petit peu OpenRail, TSW, d'autres jeux de simu ferroviaire?
Oui, je joue à Train Simulator classique, tu connais. Oui, je connais. Elle est bien. J'aime beaucoup, mais le seul truc que je reproche, c'est que le contenu français, bah, il n'y en a pas des masses. Voir des créateurs qui te font des petites portions de ligne à droite à gauche. Sinon, il n'y a pas de contenu français officiel, tu vois. Je peux le dire, hein, je m'éclate beaucoup plus sur OpenRail que sur TSW, hein, clairement. Le contenu français, le matériel et tout, ça n'a rien à voir. Et sinon, c'est bien, c'est bien. Réaliste. Plutôt réaliste. En France, on a juste un bout de ligne de TGV. Bah voilà, tu vois, c'est pas ça. Tu fais Avignon ou Lyon-Perrache jusqu'à Marseille. Tu vois, en TGV, moi sur la LGE, je te fais du Paris-Strasbourg. Je peux même te faire du Paris-Bordeaux, du Paris-Le Mans. Paris-Bordeaux, je peux te faire si tu veux. Montpellier, Montpellier-Toulouse, Montpellier-Marseille. Super. On est trop limité sur TS. On est trop limité. Les Allemands, ils ont limite toutes les lignes ferro sur TSB. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On se demande si le concepteur il est pas allemand en fait. Je pense que le jeu il doit être allemand en fait. Les développeurs sont allemands, qui ça? Tiens, on a un collègue qui part sur Paris-Est là. Ah, j'ai trop décéléré. On a un peu de vitesse là, c'est trop d'être décéléré. Salut collègue, écoute. Belle image, hein. Une belle image. Oh, c'est une belle image. C'est une belle petite photo, ça. Ici comme ça on verra le départ le temps qu'on va charger nos passagers. Ok, d'accord, l'autre côté ça.
Je sais pas à quelle heure il part, lui. On a 3, je sais qu'il y a des trains qui partent de 3 des fois, donc je sais pas s'il part direct ou s'il y a... Il y a un rouge. Il a un signal là-bas, non? Non, il est ouvert son signal. Il est ouvert, patron. Ouais, on va se casser, hein. Pourquoi pas tout ça, mais bon. Ça, mais nous on y va. Ferme les portes. On se casse. Comme ça. Vous verrez le départ comme ça. Là, je pense que celui-là il part de 3, mais il démarre de 3 en fait. Pas un train qui vient de Belfort ou de Mulhouse. Je pense qu'il démarre de 3. Prochain arrêt c'est Vendeuvre. Pas de bêtises. Ouais, Vendeuvre en 32 km. Photo, la belle image. Ah bah oui, c'est dans la boîte, hein. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, c'est dans la boîte. Ouais, pour revenir au fait de train de TSW, hein, c'est n'importe quoi. Du contenu allemand en masse, ils sont toutes les lignes. Les Allemands, ils peuvent circuler sur toutes leurs lignes quasiment. Franchement. Pourquoi ils travaillent pas sur la franchise française? Ben, ça ferait un tabac, là. Le réseau ferré français. On demande pas du RER, mais au moins une ligne directe, quoi. Tu vois? Paris-Montparnasse, Le Mans, je sais pas. Paris-Montparnasse, Rennes. Ouais, un truc un peu plus classique, quoi. Ah non, on se tape des cars rouges, je sais pas où. Les Munich, je sais pas quoi. Raté, quoi. Fais gaffe si ça fonctionnait le truc. Ah, il fonctionne en plus, hein. C'est cool ça. Chouette. Bon savoir. Ça fonctionne. Désolé pour les retours Windows les gars. Obligé.
ça prend sur le stream. Bouilli, salaud. Ça a l'air d'être bon sur le stream. Bon tonnerre. Gros, ça attend sur le stream. Je me coupe le stream vite, les gars, je le remets.